J'ai accepté de participer à la convention parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez important, qui nous concerne tous de manière plus ou moins proche. Mais moi, par exemple, je sais que ma grand-mère qui est en Suisse a accès déjà à des dispositifs d'accompagnement en fin de vie. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'assez important d'accompagner correctement les personnes de manière générale, peu importe la situation, et de pouvoir, en tant que citoyen, s'exprimer là-dessus, donner notre avis et alimenter le débat, qu'il soit parlementaire, médiatique, avec nos conclusions à la fin de cette convention. Le tirage au sort, ça a été un moment assez rigolo. J'ai été appelé par un numéro inconnu un soir après le travail. Et donc au début, je me demandais un peu la question, c'est une arnaque, est-ce qui m'appelle à cette heure-ci, pour quelle raison? Et en fait, j'ai très vite vu que bah, non, c'était la société Harris International, mandatée par le CESE, avec qui j'ai eu le premier contact. Et j'ai tout de suite vu que c'était une démarche entièrement légitime. Et à partir de là, avec le sujet, etc., je suis rentré dedans, j'ai été contacté par des personnes du CESE directement pour finaliser les démarches, tout ça. Et non, c'est très bien passé, très sérieux, très pro, très carré. Dans l'absolu, je pourrais pas dire, j'ai pas d'expertise dans un sujet-là à proprement parler, mais je pense que c'est un moyen assez simple, entre guillemets, d'avoir dans un calendrier assez rapide un avis tout de même assez étayé et assez détaillé sur des sujets démocratiques importants. Sur cette convention, pour l'instant, j'ai un très bon ressenti. Le lieu donne un côté très formel, très institutionnel qui, je pense, fait gagner en confiance en soi et en légitimité pour s'exprimer, pour parler et partager son point de vue. Les rencontres se font très bien. C'est très intéressant de rencontrer des gens d'horizons totalement différents, des parcours très différents, des âges très différents. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et très ressourçant. C'est une expérience personnelle assez intéressante. Moi, je m'attends à avoir une possibilité de débattre aussi ouverte que possible. Je pense que c'est bien parti. Pour la convention, j'ai entièrement confiance en le CESE et tous les accompagnants. Pour l'instant, ils ont montré qu'ils seraient là, ils seraient présents et professionnels pour nous accompagner en tant que citoyens dans ce projet. Là où j'ai le plus de questionnements, ça va être l'après-CESE, une fois que nos travaux seront finis, une fois qu'on aura rendu notre délibération, qu'est-ce qui sera fait avec? Mais là, pour l'instant, rien ne peut nous garantir un futur pour notre avis.